Miss Bretagne. Miss Normandie. Miss Auvergne. Miss Pays Basque. Miss Lorraine. Oh, on va démarrer du coup. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous, on s'amuse comme on peut. On a hâte de vous retrouver en live. Mais en attendant, on vous propose un entraînement qui sera un entraînement poids de corps. Aujourd'hui, vous allez avoir 5 tours à faire, pas 6, pas 4, mais 5. Vous aurez 30 répétitions à faire, puis 20 répétitions à faire, puis 10 répétitions à faire. 30 répétitions de air squat, 20 répétitions de push-up, 10 répétitions de pull. Les air squats, ça va ressembler à ça. Ah, donc Miss Pays Basque pour la air squat. Excellent, Sosan. Donc, si on se met face à la caméra, du coup, les pieds sont un petit peu plus larges que les hanches, c'est-à-dire les talons sous la ligne des épaules. Vous aurez les bras tendus vers la caméra. Vous allez faire en sorte d'imaginer que vous avez un mur devant vous et descendre en flexion. Yes, excellent. Une fois que vous avez fait vos 30 reps là-dessus, vous enchaînez directement derrière avec 20 push-ups. Donc, vous serez en position de planche, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Vous allez poser la poitrine devant la ligne des mains et ensuite remonter. Ça va donner ça. Vous allez vous concentrer à garder vos épaules et vos hanches alignées sur l'ensemble du mouvement. Une fois que vous avez fait ça sur 20 répétitions, vous allez enchaîner derrière avec 10 répétitions de pull. Donc vous allez prendre le principe d'utilisation du drap. Rappelez-vous, vous faites un nœud avec votre drap, vous l'accrochez derrière une porte qui se ferme dans ce sens-là, vous fermez à clé bien sûr, surtout si vous avez quelqu'un derrière. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube, vous avez déjà vu ça? Une vidéo où il y a un mec qui est en train de s'entraîner et l'autre il ouvre la porte et bam, comme la fille qui fait du twerk là sur la porte et elle tombe, c'est drôle. Du coup, vous allez accrocher le drap et vous allez faire 10 répétitions de poule. Ça va donner ce mouvement là. Yannick, tu as le droit de t'avancer hein, si tu veux, mon frérot. Excellent, c'est simple. Donc votre but, c'est de garder le même alignement que vous aviez sur les push-ups, donc les épaules et les hanches alignées. Et votre objectif, c'est vraiment de vous concentrer sur tirer les coudes proches des côtes. Merci, Sosan. Pour le warm-up, on se retrouve avec 3 tours et on va faire un warm-up en isométrie. Donc, on va conserver ce même mouvement. On va avoir 40 secondes de chair hold, 30 secondes de plank hold et 20 secondes de Chinese plank. On regarde tout de suite les mouvements avec Vincent. Donc, chair hold, vous connaissez, là, on pourra se mettre contre un mur. Là, on va imaginer qu'il y a un mur. Hop, tu peux te mettre ici. On va se mettre à 90 degrés. Yes. Et on essaie de tenir les 40 secondes. Si c'est trop facile, vous pouvez mettre quelqu'un dans vos bras. Tu peux te relever. Quand on aura fait ça, on va partir pour 30 secondes de plank hold pour préparer les push-ups. Donc là, on va se mettre ici en position de planche, les bras tendus. Ok, là, ce qu'on veut, c'est une table Ikea. C'est tout droit, on peut manger dessus. Les épaules sont au même niveau que les fessiers. Les fessiers sont serrés, les abdos sont rentrés. Enfin, on finira par une Chinese plank. Là, on va se retourner, on va se mettre au sol. On va travailler toute la chaîne postérieure, de la tête jusqu'au pied. Regardez bien la position qu'il va prendre. Il se met sur les coudes. Et là, je peux passer, c'est pas un tour de magie, je peux passer ma main sous ses fesses et sous son dos. Il a que les talons qui sont en point de pression, le coude et la tête. Si c'est difficile, vous pouvez aussi mettre le haut des épaules en pression. Il faudra tenir 20 secondes, tu peux relâcher. On peut l'applaudir pour les deux. Je vais prendre David pour le finisher. Le finisher, l'after party, ça sera 3 tours également. Et là, j'en ai besoin. Mélanger l'iso et le mouvement. On aura 3 tours. On aura 10 secondes à chaque fois de tenue en mid-range, au milieu du mouvement. On compte jusqu'à 10. Si vous avez des dumbbells qui ne sont pas assez lourds, vous pouvez compter jusqu'à 20. Et ensuite, on fait un maximum de biceps curls sans bouger. Je ne voulais pas mettre le coude et le bouche. Ça aussi, c'est des vidéos YouTube. Ensuite, on fera des triceps extensions. On se mettra au sol. Et là, le même principe, on va se tenir 10 secondes en mid-range, ici, en 90 degrés, et on repart ensuite pour un maximum de triceps extension. Vous devrez sentir que ça brûle derrière le coude, juste ici. Ça brûle? Oui. C'est parfait. On se retrouve dès demain. Passez une excellente journée et bon workout à tous. Merci beaucoup. On peut